qu'elle est à la mairie. Ah oui. Parce qu'elle est à Alors là, ce sont des cuves de 600 hectares. Vous avez pu présenter la coopérative en quelques mots? Non, pas pour l'instant. La coopérative de Rouzan, c'est une création de 1933. J'y étais pas en 1933. J'y étais pas, mais je suis là. Président pendant 20 ans, donc voilà. 350 adhérents, à peu près 3000 hectares de vignes, ce qui nous place parmi les plus grosses coopératives de France en appellation d'origine. Enfin, dans les 5 premières, sans problème. Voilà. Voilà le projet qui nous rappelle. Oui, je voulais aussi, Que chacune des barriques montée sur pile comme ça est accessible, donc on peut la travailler individuellement, mouiller, c'est-à-dire la remplir, pouvoir faire les soutirages. Voilà. Donc on a différents types d'élevage, on va dire, en moyenne. Donc je dirais qu'il y a, bon, à la fois on est concurrents, puisque forcément des entreprises différentes, mais la concurrence peut créer aussi l'organisation, ça peut être positif. Je tiens tout d'abord à remercier la coopérative de Rouzan, son président Denis Barrault, ainsi que le sénateur M. Gérard César de nous avoir conviés à votre visite. La cave de Rouzan, avec ses aménagements modernes et fonctionnels et la qualité de ses produits, est un fleuron de nos Bordeaux. Quelques mots sur notre vignoble, ce très grand vignoble mondialement connu. Les appellations Bordeaux et Bordeaux supérieur, avec 60 000 hectares de vignes, 6 000 vignerons, dont 3 000 vinifient en cave coopérative, constitue le premier vignoble de vin fin au monde. Nos appellations se déclinent en rouge, blanc, rosé éclairé pour les Bordeaux, en rouge et blanc moelleux pour les Bordeaux supérieurs, en blanc et rosé pour les Crémants de Bordeaux. Elles représentent plus de 55% du vignoble bordelais. Événement qui a su s'imposer au fil des années et dont les viticulteurs en sont la cheville ouvrière. Au fil de votre visite, je sais que vos hôtes y reviendront et développeront mes propos. Je ne veux pas abuser de votre temps, Monsieur le Ministre, et je déclare ouvert notre 130e chapitre. En ma qualité de vinothécaire de l'Ordre des vignerons de Bordeaux et Bordeaux supérieur, je vous invite à déguster ce nectar qui fera de vous l'ambassadeur des vins de Bordeaux dans le monde entier. Aujourd'hui, je suis très fier d'être intronisé dans cette confrérie, étant un grand consommateur de Bordeaux depuis maintenant des années et des années. Je dois dire que c'est un grand honneur pour moi d'être intronisé dans cette confrérie. Je voulais absolument venir là aujourd'hui, en dépit d'un agenda un peu chargé, parce que je suis toujours à la recherche du temps perdu, ça je vous l'assure. Il faut que j'aille négocier mon budget ce soir avec François Baroin. Et quelle que soit l'amitié qui me lie à François Baroin, c'est toujours un exercice difficile pour un ministre de négocier son budget. Mais je tenais à être là, d'abord par amitié pour le sénateur, maire Gérard César. Tout le monde sait que c'est quelqu'un d'absolument formidable. Je le savais depuis longtemps. Depuis que je fais de la politique, je sais que Gérard César est une figure du Sénat, mais je le sais encore plus depuis qu'il a rapporté la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, qui est une loi essentielle dans la vie agricole et dans la vie de la pêche de ce pays, qui va changer beaucoup de choses, qui va moderniser, je pense, en profondeur notre agriculture et qui devra beaucoup au travail de Gérard César. Je ne vais pas insister trop là-dessus, mais il a fait des centaines d'auditions, il a fait des centaines de rencontres pour améliorer le texte, pour faire en sorte qu'il corresponde le mieux possible aux attentes des agriculteurs et notamment des viticulteurs français et des sylviculteurs français. Il a apporté beaucoup d'amendements, beaucoup de changements au texte. Et si nous avons réussi, je crois, à trouver un bon équilibre dans ce texte de loi, c'est parce que le rapporteur Gérard César a fait en amont un travail tout à fait exceptionnel.
prendre la route, on y va, c'est parti.